Voici le camp d'Abou Djirine, peu de temps avant qu'il ne soit déserté. Les personnes déplacées qui vivaient ici ont dû fuir, laissant le peu de biens qu'elles possédaient. Ils sont partis car il y a eu des bombardements très intensifs pendant 5 jours. Les camps déplacés et la ville d'Al-Safira ont été bombardés. Et à peu près toute la population, tous ceux qui n'étaient pas blessés, sont partis. Les combats ont fait 450 blessés en 5 jours et 76 décès dans la seule ville d'Al-Safira. Un hôpital soutenu par MSF a été fortement endommagé par un baril de TNT lancé depuis un hélicoptère. Avant ces violents bombardements, MSF a porté une aide aux déplacés. Nous avons fait de la formation dans les structures médicales et nous avons fourni des tentes aux déplacés qui vivaient sous des bouts de toile ou sous tout ce qu'ils pouvaient trouver. Mais plutôt que de reprendre toute une activité, nous avons voulu fournir un appui à ce qui existait déjà et aider les Syriens à s'organiser. Aujourd'hui, la ville est presque vide, comme les camps alentours. Les déplacés sont de nouveau partis chercher refuge. À Manbij, par exemple, au nord-est d'Alep, ils s'installent où ils peuvent. Les capacités d'accueil sont déjà saturées et alors que l'hiver approche, de nombreuses familles vivent dans le dénuement le plus total. La scène se répète dans de nombreux villages un peu partout en République centrafricaine. Des maisons incendiées, des habitants partis se cacher en brousse. À Bossangoa, dans le nord du pays, 28 000 personnes se sont réfugiées dans l'enceinte de la mission catholique. Toutes ont dû fuir les violences de groupes armés. La violence a éclaté brusquement. Ils ont pris notre bétail et tué mon père. Des hommes armés sont venus dans mon quartier et ils ont commencé à tirer. On s'est réfugiés dans la brousse, dans nos champs, mais ils nous ont traqués jusque-là. J'ai tout perdu. Ils ont pillé ma maison, je n'ai même plus de carte d'identité. Le jour, les déplacés retournent cultiver leurs terres ou vendre des produits sur le marché. Mais la nuit, la mission catholique est le seul endroit où ils se sentent en sécurité. En ce moment, la situation à Bossangoa et dans les environs est très tendue. Le moindre petit incident peut dégénérer en violence. MSF intervient actuellement dans 10 villes de la RC1. Mais les équipes s'inquiètent du sort de ceux qui ont fui en brousse et n'ont accès à aucune aide humanitaire. Ils restent pour l'heure livrés à eux-mêmes. Matinée classique dans le service des brûlés de Drouillard. Après la traditionnelle visite et les soins quotidiens, les enfants s'amusent pour faire passer le temps. Jennifer et sa petite sœur Shara sont là depuis 2 mois et demi. Ma maison a pris feu à cause d'une bougie allumée à l'intérieur. Je n'étais pas là quand ça s'est passé. J'ai vu les flammes en revenant. Il y avait 3 de mes enfants à l'intérieur. Jennifer et Shara ont été gravement brûlées. La troisième, elle va mieux. Il y a encore peu de temps, le service des brûlés était sous tente. Son arrivée dans la partie en dur de l'hôpital a permis à l'équipe d'améliorer la qualité des soins et les conditions de vie des patients, qui restent souvent plusieurs mois dans le service. Jennifer, c'est la grande sœur de Shara qui a été brûlée au même accident, qui a eu aussi des moments difficiles, mais là qui va mieux, qui est quasiment cicatrisée, et qui pourra rentrer chez elle la semaine prochaine. Tu peux respirer fort par la bouche? Respire fort. Les patients du service des brûlés se partagent en 2 catégories. Il y a les brûlures domestiques causées souvent par les conditions de vie précaires et les brûlures électriques, résultat d'installations artisanales. Il y a des gens qui marchent dans la rue et les fils électriques qui tombent sur eux ou qui passent en moto. On a eu plusieurs comme ça, qui passent en moto. Le fil électrique qui se détache et qui tombe sur la moto et le courant passe par l'électricité. Ils sont brûlés sur les mains, ils tombent. Changer régulièrement les pansements, éviter à tout prix les infections et réaliser des greffes de peau si nécessaire, voilà les premiers soins à offrir aux brûlés.
Allez, on y va. Michael, le physiothérapeute, intervient ensuite. Une rééducation qui permet de limiter au maximum les séquelles des brûlures et qui offre aux enfants la possibilité de s'échapper du service pendant quelques instants. Fin octobre, la Fondation Gavi a organisé une réunion à Stockholm afin de faire le bilan de son activité en faveur de la vaccination infantile. Les progrès sont incontestables, mais il reste encore beaucoup à faire. Plus de 22 millions d'enfants n'ont toujours pas accès à la vaccination de routine aujourd'hui. Il y a 10 ans, dans le cas de la vaccination de routine, nous pouvions vacciner contre 6 maladies et cela coûtait environ 1,30$. Aujourd'hui, nous pouvons vacciner contre une douzaine de maladies, mais un cycle complet coûte presque $40. L'enjeu, c'est donc de favoriser l'accès au vaccin à des prix réduits pour tous les acteurs, y compris les organisations humanitaires. Récemment, MSF a dû négocier durant près d'un an afin de pouvoir financer une campagne de vaccination contre le pneumocoque pour 5000 enfants soudanais réfugiés au Soudan du Sud. Après, le problème du prix se pose celui de la logistique. Le respect de la chaîne du froid dans des pays où le réseau électrique est défaillant et où les températures dépassent facilement les 40 degrés complique de beaucoup l'organisation d'une campagne de vaccination. C'est frustrant, par exemple, dans le cas d'une vaccination contre la rougeole. Le vaccin est facile à administrer et ça devrait être normal pour tous les enfants de l'avoir. Mais il suffit d'une rupture de la chaîne du froid ou de la distribution pour que des enfants meurent de quelque chose qui aurait pu être évité. MSF appelle donc Gavi à s'investir davantage pour que des vaccins dits thermostables, qui ne nécessitent pas d'être maintenus au frais, voient le jour. Ces efforts, s'ils sont mis en place, permettront d'empêcher des milliers de décès évitables. À Buenaventura, sur la côte pacifique de la Colombie, le nombre de malades de la tuberculose est 3 fois plus élevé que dans le reste du pays. Et parmi ces malades, nombreux sont atteints des formes résistantes et multirésistantes de la maladie. Pour favoriser un diagnostic précoce, MSF soutient le laboratoire municipal. Microscopie, mise en culture et une nouvelle technologie plus perfectionnée, le Gene Expert. Ces différents tests permettent de savoir de quelle forme de la maladie souffre un patient et de suivre l'évolution du traitement. Mais le circuit de diagnostic doit encore être amélioré. Pour traiter la tuberculose résistante, on a une moyenne de 4 à 5 molécules par patient. Donc, toutes ces molécules, il faut savoir si elles marchent. Et pour savoir si ces molécules elles marchent chez les patients, on fait des analyses bactériologiques avec des antibiotiques au laboratoire de référence. Ces laboratoires de référence se trouvent à Cali ou à Bogota. Et les résultats mettent plusieurs mois avant de parvenir à l'équipe soignante. Un délai incompatible avec une prise en charge efficace. Nous, en tant que traitant des patients, on ne peut pas attendre 5 mois pour avoir des résultats qui normalement doivent être produits en un mois pour permettre à nos docteurs, au docteur MSF, de changer les traitements s'il a des résistances. Pour ces patients, chaque mois de perdu a un impact considérable. Ce sont des effets secondaires, l'apparition de résistance, des risques de voir le traitement échouer, des souffrances qui auraient pu être évitées. Pour MSF, il est primordial que le circuit de diagnostic soit amélioré. Kala Azar est l'un des noms donnés à la leishmaniose viscérale, une maladie parasitaire transmise par une piqûre de la mouche des sables et qui est mortelle en l'absence de traitement. Pourtant, ces symptômes sont encore peu connus et les malades vivent souvent loin des centres qui dispensent le traitement.
J'ai été malade pendant 5 mois. Mon fils essayait de gagner de l'argent par tous les moyens pour nous aider. Il a dû s'impliquer pour prendre soin de moi. Ma femme aussi était inquiète. Nous avions besoin d'argent pour nous déplacer. J'ai vécu des jours difficiles durant cette période. Le traitement actuellement recommandé dure 1 mois, mais dans certaines régions, on rapporte une baisse d'efficacité. Il existe des alternatives de meilleure qualité et d'une durée bien plus courte. Les équipes MSF utilisent ainsi un médicament appelé Ambisome. Dans le même temps, elles rapprochent les soins des communautés en formant le personnel médical local à administrer le traitement dans les centres de soins primaires. L'un des enjeux du traitement à base d'Ambisome, c'est le respect de la chaîne du froid. C'est possible de maintenir la chaîne du froid au niveau des cliniques locales. Nous avons l'équipement nécessaire pour la respecter. Et si un médicament doit être envoyé quelque part, nous avons des glacières. Ce n'est donc pas un problème pour l'Ambisome. D'autres traitements sont disponibles. Des études en cours vont permettre d'établir lesquels sont mieux adaptés aux conditions du terrain. En 5 ans, les équipes MSF ont déjà soigné 9000 personnes grâce à l'Ambisome. Malgré les défis logistiques, elles ont démontré qu'il est possible d'administrer un traitement de qualité loin des grandes villes, au plus près des patients.